Donc ce soir, c'est un contrôle particulier. Oui, c'est un contrôle particulier qui combine les moyens de l'escadron départemental de sécurité routière et de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Claude, renforcée par une équipe cynophile avec un chien spécialisé dans la recherche des armes. Ce soir, la finalité effectivement de ce contrôle, c'est rechercher des armes éventuellement, des produits stupéfiants, mais aussi bien sûr de continuer la lutte contre l'insécurité routière et toutes les infractions qui peuvent s'y rapporter, notamment les conduites addictives, alcoolémie et stupéfiants. Les armes, c'est un gros problème chez nous. Alors effectivement, la circulation des armes en Guadeloupe, c'est une problématique qui est réelle, voilà, et qui frappe durement la jeunesse, d'où la nécessité en fait, de réaliser ce genre de contrôle pour essayer en fait, de sortir du circuit de circulation des armes, le maximum d'armes qu'on pourrait trouver.